Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Creeper World 4 et cette fois-ci on joue côté humain en mode curseur. On démarre en haut à gauche avec une toute petite nappe de flip. D'anti-creep. On va peut passer en top view pour que ce soit plus pratique de voir exactement où je suis. On va pas rester dans ce mode là, hein. Je préfère vraiment le mode en 3D. Mais au moins là on est précis dans notre déplacement. Voilà, je vais vous en montrer un petit peu en top view. Mais franchement... ouais, je préfère vraiment le design, enfin les graphismes en 3 dimensions. Je trouve ça plus agréable. Et en tout cas, on est en train d'avancer sur les poches de flip et on va pouvoir se faire comme ça des belles défenses. On va aller vers le sud, il y a une immense nappe aussi par là. Ce sera intéressant si on pouvait la récupérer parce qu'il faut qu'on soit fort avant l'arrivée du creep. Voilà, on va même se permettre de faire tout le tour pour que ça génère à fond. Parfait, il y en a aussi un tout petit peu en ma gauche. Il y a des objets étrangers qui sont en train d'arriver. D'accord, tiens, c'est marrant, il y a des panneaux solaires ici. Ça aurait pu être cool si on avait eu des humains avec nous pour... Bah, il suffisait de demander, Riflab. D'accord, il y a un Riflab qui est tombé. Et plein d'autres trucs avec des pseudo player control trou. D'accord, il a fait des instructions. Non, on va avoir des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Ok, j'aimerais bien me construire des turps. Il y a des trucs qui tombent là. Ok, il va balancer des émetteurs. Là, voilà. Très bien, j'en fais quelques-uns pour être tranquille à l'avance. On va virer le top view. On va tourner la caméra, ce sera suffisant. Oui, je sais, ça va être perturbant. Dans un premier temps, mais après, ça ira mieux. Non, c'est pas ça que je vise. C'est ça. Voilà, récupère-moi tout ça. Et prends-moi ça. Voilà, je veux récupérer ce tout petit flip qui est là. Voilà, il va me permettre de bien reprendre des forces et de les générer plutôt que d'avoir du creep qui est généré là. Et on va essayer d'aller vers les deux émetteurs dès le début, être assez agressif. Et voir ce qu'on peut faire. Oui, tu t'en sors? Ok, il a l'air de s'en sortir. Fais-moi la factory, fais-moi le horn port, on en aura besoin. Parfait. On verra quand on aura les premiers turns, enfin les premiers urns. Mais il faut que ça avance ça. Ok. On est sur le flip. Et si on est sur le flip, ce sera intéressant parce qu'on va pouvoir générer des sur la base ennemie. Autant qu'il génère dans 9 secondes. Attendez, si je peux grignoter un tout petit peu plus. C'est cadeau. Allez, ça génère. Mais lui, il est déjà au max. Et pas nous. On génère pas. D'accord, il n'y a que moi qui génère. C'est ça que tu es en train de me dire. Si c'est le cas, ça va être compliqué. Est-ce que vous pourriez avancer? Bon, nos urns sont en train d'être activés, c'est bien. On en a eu un. Fais-moi l'énergie. Ok, dès que t'as l'autre, tu remontes, tu viens là, et je veux le build speed. On va avoir besoin du build speed. L'énergie, parce qu'on était dans un trop gros déficit, mais le build speed est extrêmement important. Ah oui, non, mais là, on se fait submerger cette zone. C'est dur. Il m'envoie des armes. Parfait. S'il pouvait m'envoyer de quoi neutraliser ici, ce serait cool. Je voudrais Fire Rate. Merci. Il m'envoie bouclier aussi. Ouais, non, mais là, on... ça va être dur. Fais-moi des tours. Tu vas où? Tu peux pas envoyer un bouclier aussi loin. Réfléchis. Tu vas juste te faire exploser. Tu crois que tu y arrives? Moi, je suis juste en train de préserver notre économie. On va faire le move speed aussi. Merci, s'il pouvait juste aller plus vite. Et puis on va faire le mine production, hein, on aura besoin. Hein. On fait tout. Très bien. Avance-toi. Pourquoi on a tout perdu ici? Ouais, ouais, non, je veux préserver cette zone. Merci. On n'a rien perdu par là. Non, on n'a rien perdu. Ok, et ça tire. Pouh, les spores. Bon, on va dire qu'on a nos troupes qui sont là maintenant. Et qu'elles vont commencer à creuser. Ce serait pas mal. On va faire un truc. On va rendre transparent tout ça. On verra mieux. Parfait. On avait perdu aussi cette zone. On va essayer d'avancer par là. On est en positif. Ok. Et on a un urn disponible. Exceptionnellement, je vais mettre sur un turp. S'il peut nous récolter des trucs plus loin, ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je me fasse une raffinerie ici. Et une là. Merci.
très très bien. Ouais, non, mais ici on a tellement reculé. Non, mais recule par contre. Voilà, on a tellement reculé ici. Oh là là, il y a des canons du mode passe. D'accord. Explosez-moi ça. Merci. J'ai quoi d'autre? Ouais, non, mais j'ai rien d'intéressant. S'il y a du passe, il y a de l'anti-aérien en face. On a des nouveaux schémas. Overtank. Ah oui, on a des overtank. Et ben, on va en faire un. Et puis, on va faire un V-Nullifier. Voilà, ce sera fait. Ce sont des unités qui sont très très fortes, ça. Si ça peut nous détruire des bâtiments en face, ce serait intéressant. Par contre, oui, on n'a pas beaucoup de ressources. Mon super Turp, je t'ai sauvé. Viens là. Non, mais ça, c'est dur. Ok. Pour l'instant, ça avance. On récupère le terrain petit à petit grâce au canon. Avance par là. Voilà, on va creuser, on va récupérer du territoire, sachant que moi, plus je possède de territoire et plus je suis puissant dans ma génération. Donc ça reste très intéressant. Il y a un canon là-haut. Bon, face à tout ce que j'ai, là, il devrait pas nous embêter trop. Ça a été récupéré, tu peux venir là, on va donner à lui. Non, pas à lui, à lui, qui est juste à côté. Tu mérites, vas-y, prends ça. Très bien. Voilà. Ça avance petit à petit, c'est cool. Vous allez mourir si je vous aide pas. On va essayer de vous soutenir. Ok. Il y a des ressources intéressantes ici. Il y a le flip là à reprendre en bas. Si on pouvait générer un tout petit peu plus, ce serait cool. Allez. Il y a un truc que je vais faire aussi. Si je vais me faire un missile, on va placer, disons, là. Et à qui on va donner un urn. Parce que les unités ennemies se déplacent en volant. Si je peux les exploser avant qu'elles arrivent, ce serait bien. Bon, ça c'est récupéré. Parfait. J'ai pas besoin particulièrement d'énergie. Par contre j'ai plein d'unités, c'est cool. Ça n'avance pas là. Ok, je surveille la ligne de front. Regardez, voilà, on est en train d'exploser les mortiers avant qu'ils se posent. Et si ils peuvent pas être là, alors j'ai moins besoin de me défendre contre leurs unités. Et ça, c'est un... c'est plus efficace que d'avoir un super canon. Le Turp avance là. Oui, je pourrais me faire de l'énergie, mais ça sert pas à grand chose. On en est où, ça? Ça avance, d'ailleurs. Faisons un deuxième. Faisons un autre. On commence à avoir des ressources ici, c'est cool. Ouais. Faut que je me fasse plus de raffinerie. J'en ai déjà une là. Non, pas là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est mieux. Et ça avance un peu partout. Regardez le canon là-haut, il explose. Le mortier aussi. Il n'arrive pas à fournir des trous, c'est cool. Fais-moi un sniper. Oh, un sniper. Voilà, à qui je vais aussi donner un urn. Allez, avance-toi, toi aussi. Le Turp, reviens là. Il y en a un là-haut. En fait, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu peux juste te mettre là. Tu couvres les deux zones. Ok, nickel. Tout qui se fait désactiver, c'est pas grave. Voilà, on reprend le flip ici. C'est parfait. On va avoir récupéré le urn. On va avoir un super sniper. À qui il faut juste des munitions, on est à côté du pilote, donc ça devrait le faire. As-tu construit là, toi? Oui, mais non. Je veux pas que tu construises là. Merci, au revoir. Voilà, regardez les lance-missiles, comment les dégâts qu'ils font. Oh, le bouclier. Les boucliers du shield, ils sont surpuissants. Il faut qu'on les élimine vite, et c'est surtout moi qui vais pouvoir les éliminer avec mon anti-creep. Par contre, j'ai plus de d'argues. Si, c'est bon, ça revient. Même l'anti-aérien, faut l'éliminer. Ici, il me fait des nullifiers. Excellent. Ça progresse bien. Ici, on arrive sur du flip. Ça aussi, c'est excellent. Toi, tu vas venir par là-bas, alors. Lui, il est en train de neutraliser ça. Attends, ne pars pas, en fait. Ici, on a tout perdu. Ok, on va les aider un peu. Prenez ça. Pour vous aider à avancer. Voilà, on a neutralisé cet émetteur-là.
très bien, ça va reculer petit à petit si j'augmente ça. Parce qu'ici il produit pas tant que ça creep, donc on... quoi que j'ai rien dit, j'ai vu la quantité de flip à côté. Avancer ici. Tu l'as récupéré, oui. Tu peux monter là-haut. Parfait. Toi, tu vas en prendre un aussi, dès qu'il y en aura un. Il va neutraliser le deuxième émetteur ici. Ça aussi, il faudrait qu'on le neutralise. Parce que ça fait toujours des dégâts qu'on peut s'éviter. Très bien, le Fire aussi, qui est placé là. Mais reprends-nous le flip. Voilà, on avance. On a 28% d'April Reclaim. Mais si je peux me récupérer ce flip, ce sera bien. Sans compter les émetteurs qu'on pourrait neutraliser. Allez. On reprend tout ça. Nos troupes vont être contentes. Mais là, davantage, comme il est ridé sur sa quantité de creep, bah, il génère pas ici en fait. Il génère, je pense, vers sa base. Bon, à un moment, on aura un retour de bâton parce qu'on va se taper une immense vague, certainement. Mais regardez là, la quantité de flip qu'on a. Voilà, très bien. Est-ce que je peux neutraliser ça? On va demander à neutraliser ça aussi. Le jour où on a les tours qui sont là, on devrait être bien. Ok, bon, mon turf, j'ai la flemme de me balader. Viens là. Toi, t'en reprends un. Ah, on a lui qui est là. Très bien, il va nous neutraliser définitivement les émetteurs. Excellent. S'il n'y a pas d'anti-aérien, on est bon. D'ailleurs, en parlant de ça... Fais-moi des missiles, fais-moi des snipers. Merci, parce que là, il y a un petit air-sac en haut. Vous êtes super loin maintenant. Avancez, mettez-vous là. Mais là. Voilà, comme ça. Très, très bien. Toi, t'as bien un urn, et toi... T'en avais pas. Si, t'en avais un. Non, t'en as pas. Prends-en un. Voilà, on va essayer de sécuriser cette colline là. Parfait. On est en train de leur rentrer dedans. C'est top. On met du mèche ici en masse. Ça va nous embêter ça. Turp, tu vas revenir là. Quoique. Viens là en fait. Levez une Unifier ici qui fait des beaux dégâts normalement. Si c'est où aller évidemment. Va remettre des lance-missiles. Hein. Et on va les équiper d'anti-aérien. Enfin de urn. Fais-moi un turp. J'ai dit fais-le. Merci. Fais-moi une raffinerie ici. Et ici. C'est cool. On pourra aller là-haut sur le flip. Ce serait intéressant. C'est pas trop défendu, on pourrait se permettre. On avance. Si tu veux m'aller là, ce serait bien. Je sais que c'est un front qui te préoccupe pas plus que ça. Et moi, il m'intéresse ce front. Parce qu'il y a du flip ici et il y a des ressources. Ça génère un petit peu, mais c'est pas grave. Oui, mais non, mais toi, ça c'est pas la peine. Voilà, très bien, il est mort. Continuons d'avancer ici. Il a fait reculer sa troupe, ça me dérange pas. Voilà, on va récupérer ce flip, on va se construire une petite raffinerie. Pour le principe. Je sais pas si j'ai besoin de trucs. Je suis dans le doute. Faites ça. Prenez des urnes. Est-ce qu'on les voit, les tanks? Je ne sais pas. En tout cas, eux, ils sont très forts, mais je peux pas les équiper de urnes. Ils détruisent des générateurs ennemis. Oui, non, 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 faut disparaître. Il y a un petit mortier là-haut qui nous embête. Non, mais je peux pas lutter, là. Vous reculez. Bon, je vous ai dit qu'on se prendrait un retour de bâton. Le retour de bâton, c'est maintenant, parce qu'on n'a pas assez d'anti-tout. Voilà, prenez des urnes aussi. Ouais. Peut-être que si on se mettait une usine ici, ça pourrait accélérer de la production. Je ne sais pas.
On va voir. Turf. Ici. Turf. Turf. Voilà. Et Vivifier. Là. Non. Je veux pas que ça recule ici. Merci. Ouf, mais je me suis pris un tir de quoi, moi? Je ne sais pas. En tout cas, petit canon, tu essaies de t'échapper, mais je vois pas que tu y arrives. Sniper. Missile. Voilà, on va faire ça comme ça. Toi, tu sers à rien si tu vas tirer là-dessus. Le lance-missile ici, faut qu'on l'élimine. Le bouclier là-haut, malheureusement, je peux rien faire contre lui pour l'instant. Si je pouvais le grignoter petit à petit. Si je pouvais le grignoter, ça nous aiderait. Ouh, il y en a un autre là-haut. Voilà, les snipers qui sont en train de tirer sur les mythes. Ça aide. Allez. Ah, on est dessus. Génial, un bouclier de moins. Non, mais viens là. Viens là. On a dit ça, on a dit ça. Débarrassez-moi de ces mortiers, s'il vous plaît. Et de ces petites tours qui génèrent aussi. Par la même occasion. Voilà. Alors, j'ai 3 urnes disponibles, ça me fait penser que ouais, ici c'est mort. Ok, c'est pas grave. On va mettre des urnes sur eux et sur eux. Voilà. Ici, on sera fort. Très bien. Mon attaque est neutralisée. Il faudrait que j'arrive à avancer dessus quand même. On va neutraliser lui. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a à fond hein, de l'arg. Hein. Voilà, la Bertha va mourir aussi, ou du moins d'arrêter de produire. Voilà, elle est bloquée à... Il lui manque 328 pour tirer. Excellent, récupère-moi ce flip. Ce serait intéressant. Et vas-y, finis-le. Voilà, bah merci. Et on va descendre par là. C'est étonnant qu'ils construisent pas ici. Oui, mais je fais ça avant. Ok. Le Vivifier, est-ce qu'il va me le détruire? Non, il veut pas. J'y ai cru. Voilà, très bien. Ah, mon super mince missile. C'est bon? C'est bon, il a été sauvé. Et le Vivifier est sorti de terre aussi. Très bien. Vous venez là. Voilà, il faut qu'on arrive à les stopper eux. Et là-haut, si je pouvais faire quelques mineurs. Voilà, c'est pas que j'ai besoin d'énergie, mais on sait jamais, ça pourrait encourager l'humain à construire plus. Là par contre, oui, c'est un petit peu ambitieux. Ok, on va essayer de stabiliser cette zone-là. Voilà, très bien. Je n'ai pas des turfs moins dans le coin. Merci. Neutraliser tout ça. Il n'arrive pas à construire, hein. Il veut pas construire. Bon, c'est pas comme si on avait besoin d'énergie, hein. On produit 174, on consomme la moitié. Sauf s'il est bridé pour dire je ne peux consommer que la moitié. Allez les Vivifier, allez-y. Attaquez-les. Explosez-les. Ok. Ici aussi ça avance petit à petit, tout ça c'est neutralisé, c'est top. Je vais peut-être te mettre là, ouais, ouais très bien. Non, le bouclier, il faut pas.
pas que je te laisse en vie parce que ça c'est violent. Merci. On va vous mettre des snipers équipés de ça, qui puissent pas reconstruire. Ici on avance bien. Voilà, vous avancez là même. On va reprendre le flip. Ils ont plus que 250 000 en face. On leur a fait bien mal. Et on va foncer vers le riflame, hein, qui est juste là. Je pense que ça peut être bien. Allez. Ça charge. Mais là, en plus, comme j'ai amené tous mes snipers et super lance-missiles, ça devrait nous aider à avancer vite sur l'ennemi. Qui va commencer à galérer à sortir des mythes. Hop. Avancez-vous, avancez-vous. Très très bien. Allez, on est même sur leur raffinerie. Ça c'est neutralisé. Ah ouais, le lance-missile peut nous faire très très mal. Mais bon, on est sur la raffinerie. Alors il essaie de construire une petite tour nulle. Et c'est bien dommage. Mais il a pas tant que ça de... d'émetteur sur le sur le mesh. Voilà, on est sur le riflab, on est en train de le détruire. Bon, c'est pas très très efficace. On est juste à de l'anti-grip. Peut-être que vous pourrez vous rapprocher, vous mettre là. Peut-être que ça l'inspirerait. Mettez-moi un nullifier là. Là. Et même là. 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 On va voir comment on peut le neutraliser, si ça veut bien. On mobilise quelques canons à lui. C'est déjà bien. Non. Oui, forcément, j'ai pas de coup. Reculez. Ouais, reculez. Prenez des urnes. Mais prenez des urnes, j'ai dit. Voilà. Il faut que ça avance, s'il vous plaît. Mettez-moi des tours. Voilà, on va essayer de le réinitialiser. Pour qu'il fasse son plan de construction. Très bien. Voilà, les mythes, elles se font exploser. C'est top. Voilà. On va y arriver. Il n'y a plus de troupes. Donc nos troupes à nous avancent partout. Quasiment plus rien pour générer, il a juste ces deux émetteurs nuls. Est-ce que tu pourrais construire plus de tours maintenant? On t'a débloqué. Heureusement, je crois qu'on est quand même en train de détruire sa base avec nos snipers. On a les deux évitants qui sont là en train de détruire les trucs à côté. Les tours progressent. Ah, vous avez des boucliers comme ça en masse? D'accord. Le mesh recule. Ils ont réussi à faire reculer le mesh. Par contre, ils tirent pas sur les mythes du tout. Ça peut détruire. Ça va pouvoir. Ok. Vous, dans le doute, prenez des urnes. Il est encore bugué. Hop. Ils vont y arriver, hein, avec tous les canons qu'ils ont à faire reculer le mesh. Mais bon. Allez, on va passer par au-dessus. Détruire l'anti-aérien, parce que lui pourrait énormément nous embêter. Et on a détruit le riflab. Excellent. Donc à partir de maintenant, il s'agit de neutraliser tous les trucs qui restent. Donc ce sport launcher, par exemple. Pour essayer pour finir la carte. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les futurs épisodes. Et laissez un beau pouce bleu si cet épisode vous a plu. Finissons cette carte quand même. Ouais. Nullifier là. Là. Il y a des boucliers qui vont nous embêter, mais les tanks devraient réussir à tirer dessus. Ouais, c'est ça. Il se fait bouffer, lui.
dès qu'il y en aura un de moins, ouais, ça va faire boule de neige. Il va beaucoup moins générer, sachant que bah on va les agresser de tous les côtés et que oui, ils se font exploser par les tanks qui ont été utiles à la fin. Même si je sais qu'il y a qu'une partie de la carte dont je me suis pas occupé, hein. Allez. Voilà, très bien. Le sport launcher. Le air sac. Et puis moi, de toute façon, je sers plus à rien maintenant. Faut juste que ça neutralise. Si ça veut bien construire des trucs, ce serait bien. Ok. Ça, il y en a encore en bas. Non, il y en a plus sur la carte. Il n'y a plus que celui-là. Hein. Et lui. Alors lui va arriver. Boum. Voilà, ça c'est mort. Et il s'occupe maintenant du dernier. On va peut-être pouvoir passer en x4 aussi. Retirer ça. Non, pas besoin. On a réussi. On a remporté la carte. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, d'avoir eu la bonne fin sur cette carte. Je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan.